Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager et intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir la chaîne notification. Ça permet chaque fois que nous postons une vidéo sur la chaîne là que vous avez une information sans problème. Homme d'affaires Rudolf Jarre qui gagne et qui y en a suspect dans la mort président Jovenel Moïse, eh ben, il gagne un nouveau avocat, il va pas paraître dans le tribunal, contrairement à ça qui était annoncé. Sandra Lemaire a porté raison pour nous. Businessman haïtien Rudolf Jarre, yon nan suspect clé dans assassinat président Jovenel Moïse, gagne un nouveau avocat. Il est mandé pour renvoyer audition qui était supposée faite devant un juge fédéral tribunal Miami 25 février pour mois d'avril là plutôt. Dans document légal que VOA Creole ouais, Jarre qui était tombé avocat l'état qui t'a représenté lui Joaquin Padilla et l'y remplacer avec un nouveau avocat qui est Frank Schwartz. Changement ça fait 27 février. Matt Schwartz mandé la justice pour renvoyer date audition 25 février après l'été commencé gérer dossier. Il fait qu'on est dans demande il fait que l'a besoin jusqu'à 29 avril 2022 pour réviser document qui gain rapport à cas, parler à client li et puis préparer un bon genre défense. Avocat Jarre l'a précisé cas complexe en pile, qu'est en pile fait pour examiner et que délai a dans intérêt la justice à public là, en même temps que les Québec compte loi pays États-Unis qui mandé pour jugement ont accusé fait rapidement. Avocat gouvernement États-Unis Walter Norken pat opposé demande non. Norken fait qu'on est en réponse li que li gen contact régulier ak accusé ya et puis avocat li et que li kwè renvoi nan intérêt l'état tout parce que l'état vle gen assez temps pour gérer toute preuve li pral pote contre Jarre devant tribunal là pour prouver culpabilité monsieur face avec accusation k'a pesé contre li yo. N'a pas rappelé que la justice américaine accusait Jarre d'est-ce que l'était fourni support matériel par rapport à un complot qui était résulté dans la mort d'un leader étranger et puis d'est-ce que l'était participé dans un complot pour kidnapper ou bien tuer un monde en dehors pays États-Unis. Même deux accusations sayo a pesé contre ex-militaire colombien Mario Antonio Palacios Palacios qui fait maintenant en prison Miami tout. Prochain paraître Palacios va faire devant tribunal là, c'est va 4 mars d'après document légal VOA Creole. Ouais. Pendant audition ça, monsieur Abgain pour plaider soit coupable ou bien non coupable. Pendant paraître monsieur t'est fait devant tribunal Miami 4 février, avocat Palacios là, Alfredo Isaguirre, t'a dit la presse, client n'a pas intention plaider non coupable. C'est presque toute zone dans la région métropolitaine Port-au-Prince qui gangsterisé. Girado est une localité dans la commune Pétionville, Paipanye. Côté un groupe civil AXAM qui a évolué dans la zone ça, l'ouvre cartouche sur un groupe moun hier jeudi 24 février. Ça qui la cause, yon moun mouri ak plusieurs autres sont blessés. Résident yo qui inquiète des situations ça fait appel à autorité yo pour éviter Girado tourner dans zone de nos droits. Et la loi bon pour nous. Nous t'aimer pour la police à l'état haïtien aider nous parce que nous-mêmes nous t'aller camper tout mais seul nous-mêmes nous pas faire job là parce que zone est isolée non mais nous longtemps dès qu'on barrette là à minuit il y a du matin besoin bagaille nous venir nous qu'on entre la caille nous là 11 nous là n'a bail black n'a chercher la vie mais ça gagne environ 2 semaines là on dit acheter zone dans l'argent content non mais nous on a ces brigades nous dans zone là obligé faire qu'il faut ouais car gagne 2-3 grand monde camper là toujours bandit a prend zone là net. Bon, nous vraiment inquiets parce que nous ne sommes pas habitués avec la situation. Ça veut dire que nous comptons des bagages aux zones Matissan et en bas, pas des bouquets, mais il va arriver sur nous. Mais nous avons demandé pour la police haïtienne d'aider nous. Il faut toujours qu'on ait une police permanente dans la zone là, pour aider nous parce que nous sommes vraiment vulnérables. Et c'est un bandit qui a pour la zone. Là. Donc, je pense que la police ne peut pas quitter ça arriver parce qu'à quelques mètres de commissaire de Pétionville, je pense que si ces bandits ont pris la zone, ça sera l'acheté pour le commissaire de Pétionville. Inomatisan yon moun mouri ak de lot soti blessé nan yon attaque group moun aksam ki nan zone sa fait sou yon machine ki tap kite Port-au-Prince pour aller au kay nan département Sid Peya bien bonne vendredi 25 février. Selon détail moun ki te nan bis la ba nou moun ki mouri a ta yon agent police. Les nèg yo fin gale machine nan yon 30 dan avèl. Les fin 30 dan avèl
qu'on a c'est là ça fait chauffeur camper pour l'ouvrir porte là. On a le chauffeur ouvrir porte là. Par contre c'est pas qui chef là, on grimaud de tourner l'entrée dans la machine là. L'entrée dit bonjour tout le monde. Nous tous dit bonjour, bonjour. On a dit nous pas bien pas dans grimaud et pas Jésus là. Depuis l'entrée, j'ai 9 km dans Saint-Île, il va aller les âmes. 9 km il m'a dans Saint-Île. Et pendant l'entrée, monsieur arrivé côté me comme ça. Pendant monsieur arrivé côté me là avancer l'autre qui a défilé d'elle. Police a dedans, m'entendez go! Police a tiré et puis monsieur tout courir tourner. Monsieur courir tourner même ça me va aller, il courir tourner, il descend machine. Quand pendant monsieur fin descend machine pendant arrivé à terre, m'entendez grand pile répétition dehors, hein, m'a cadeau comment c'est en l'air qui a tiré et puis nous tout couché à terre. Donc une police qui est dans machine là, il tiré. Celle que une police a fait côté machin côté arrivé pendant la police a lui-même n'a tombé tiré le dernier green cartouche qui était allé faire tête les cadeaux ça l'a fini n'a gueulé l'aile mettez la terre donc toute fin de descente y'aura l'aile mettez à terre et tirer le cri de le faire pas soi et donc ces situations hein, et dans Matissan et gain l'autre zone cap gangsterisé et d'après nouvelle nous fait que jeune là gain yo fait kidnapper un docteur là qui c'est Martial Pierre, donc il fait kidnapper là. Et puis l'autre point dans actualité à gouvernement dominicain officiellement dans Dabon, eh ben yon ville frontalière lancé construction yon clôture en République entre République d'Haïti et République dominicaine. Yon reportage Jodley Junior Saint-Ville. C'est la province d'Arabon, président République dominicaine, Luis Abinader, na présence plusieurs membres du gouvernement, avec divers secteurs, dans la vie nationale dominicaine, lancé officiellement, dimanche 20 février 2022, construction salirele, yon cloti frontalier intelligent, entre République d'Haïti et République dominicaine. Construction miraille, ou soit cloti intelligent, ça a coûté gouvernement dominicain environ 1,750 millions de dollars, d'après sa journal dominicain Listing Diario rapporté. Clotissa, pral gen la dan, équipement technologie avancée, dernier modèle, d'après déclaration président dominicain Luis Abinader. Pis loin, Abinader souligné, construction Miraisa, sur frontière haïtiano-dominicaine, pral nan avantage de pays yo, parce que ça pral permettre gen plus contrôle, plus sécurité ak efficacité nan commerce ka fait entre Haïti ak République dominicaine. Yon l'autre côté, président Luis Abinader déclaré, l'État échoué en Haïti, c'est gang criminel qui contrôle yon bon parti nan territoire. Situation sa a te vin pi aggravé avec assassinat président Jovenel Moïse. Pendant lancé appel yon l'autre fois by communauté internationale là à gros nation yon nan monde là pour vinn aider Haïti. Et li dit l'a toujours kembe bon relations amitay à commercial en deux pays yo. Jodley Junior Saint-Ville, la voix de l'Amérique, province d'Arabon, République Dominicaine. Merci Jodley, nouvelle qui saute dans pays d'Haïti fait connait que au commandement la police là chita parler à représentant collectif média en ligne yo semel parents et avocat journaliste qui étaient victimes dans manifestation employé ouvrier factory tap organisé mercredi 23 février nous connaît que te gon journaliste qui était mouri directeur général institution policière là France LB dit gain deux enquêtes qui l'ouvrir pour joindre et coupable et après tourner dans question guerre intervention la Russie dans pays Ukraine nan gain conséquences dans plusieurs domaines notamment dans sport c'est comme ça UEFA a décidé et matin là retirer Ligue champion dans ville Saint-Pétersbourg pour mettre dans le pays la France. Union Football Européen, UEFA, dans une réunion d'urgence, comité exécutif a décidé de déplacer finale Ligue Champion 2021-2022, sorti dans la ville Saint-Pétersbourg, dans le pays la Russie, pour mettre dans le Stade de France, dans la ville Paris, dans Saint-Denis. Situation Moun Belé. Depuis 4 années, Moun Belé a vécu une situation qui triste en pile. Belé, un quartier historique. C'est là Port-au-Prince a commencé sous habitation Rando dans l'année 1749 qui tournait journée jeudi à un désert. Association Belérien Kichita en dans Belé en dedans vente Belé cap travail dans cause éducation gain gros tête chargée d'après constat d'y faire gain environ 64 l'école qui fermait sous Belé. Parmi eux gain des institutions mix Belérien et IMIB qui c'est yon nan l'école côté timoun yo pas payé presque rien pendant toute l'année a et puis al prend peine instruction timoun sa yo ak tout parent yo ki pa gen moyen pour payer l'école cher
et qui tap vive dans condition moun pa doit vivre, je ne veux dire yo privé yo de l'école. Jodi a n'a posé l'état question ça. Est-ce que l'école pa fait pour ti moun qui a vivre sous belè? Qui société l'état vle pour demain? Est-ce que yo oublié qui quantité intellectuelle belè toujours bail? Yo cité note en cou Émile Saint-Lô, Richard Azor, Tertullien Guilbeau, Justin Lérisson, Franck Etienne. Et l'histoire capi long toujours d'après ça yo dit, mais yo cité ça seulement. Est-ce que l'état pensé racine ça yo a pas suspendre pousser les et a payer gang pour empêcher petite belè joindre peine instruction? Moun belè pa ka vivre à cause d'une série gang armé kap attaqué tout temps. Gang sa yo boule kay ak tout moun la dan yo boule machine, yo boule tout sa yo joine sou route yo, même moun handicapé yo pa épargné. Gang yo ferme l'école, yo ferme l'église, yo ferme centre santé, en général tout bagay ferme dans zone Belè qui cause petite terre petite Belè yo. Yo tourner journée jodi a juif errant kap marché pren humiliation l'autre côté. Ça pire dedans toujours notre la cap parler Belè pas même à une distance 1 kilomètre séparé qui séparé à Palais National, c'est juste en face là. Et il y a plusieurs massacres qui fait sous Belè en bas j'ai l'état qui toujours était bébec pas jamais dit rien concernant moun sa victime. Quelques moun qui résine crété toujours sous Belè, y a pas gros menace gang nèg exam. Moun Belè mandé l'état pour prendre responsabilité. Nous besoin tourner la caille nous et fon tourner la caille nous quel que l'on soit gens ça y est. Après la vie c'est liberté qui pi gros bien. Liberté moun Belè pas qu'à limiter comme ça l'état prend main. Attention attention, Belè c'est rozo, même s'il plié, li pap cassé gagné un jour la jour pour yo. Et c'est ça Wilgo Suprême Edouard et qui s'y est dit même Jean avec Valencia et Bordeaux et Guy Robert Telusma, Canes Pierre, Stanley Joseph, Eddie Louis, James Moïse avec représentant jeunesse Belèa qui c'est Steve César. Nous l'avons toujours ouvert pour tout le monde et pour autorité qui sous pouvoir concernant Jean yo abandonné Belè. Justement, qui ça qui explique population pas sous mobilisation, li pas sous lever camper pour le ramasser revendication. N'a mette naturellement gagné ouvrier à ouvrier factory yo qui même a fait revendication sous question salaire ou puis bon condition travail. Et c'est un grand mouvement nous assister dans période ça qui gagne. Dernière gros manifestation qui était faite dans pays a, c'était 29 mars dans occasion fête constitution année passée. Trois gros manifestations étaient faites. C'était 14 février, et puis tu as gagné une autre qui t'a pris le fait dans fin février, et puis avec 29 mars. Non? Et depuis de ça, pas un gros rendez-vous cassé dans la rue encore. Qui ça qui explique démotivation ça? Ancien président, ancien sénateur sud, Yvon Feuillet, fait qu'on est population dans le pays d'Haïti, pourquoi lever camper contre tout pile avec paquet de problèmes, la fait face accueil chaque jour, c'est parce que li en bas une gros déception, déception qui paraitait à déception de moun li te kwa nan yo qui journée jodi a bal coup de poing nan do. Nous interview ba radio Kiskeya sénateur Feuillet qui fait partie de directoire famille Lavalas et qui fait l'autre expérience politique tout en Kadoa, dit population déçue en pile. En pile fois moun li appuyer yo l'arrivé sous pouvoir, c'est question sanitaire y a réglé au lieu pour mener de politique publique pour permettre un peuple en râler un souffle, pour permettre pays à décoller et bien pour mettre une base qui pour construire demain pays a yo gagoter pouvoir dans affaires personnelles yo. Ancien parlementaire dit population déçu, c'est pas jodi a seulement, li parler de ewel nan propre camp. Famille Lavalas t'est fait, Lavalas en général, l'elle t'est sous pouvoir t'est fait, rivé jour que journée jodi a,
et côté que plusieurs monde par exemple qui n'a pouvoir qui intégré pouvoir qui là et qui était dans la rue bon côté population qui t'a fait une série de revendications et ben je ne veux dire yo à l'aise coup blaise yo intégré pouvoir qui pas répondre rien dans sa peuple t'a demandé malgré déception population et sénateur Feye rete quoi peuple n'a pas prêté dormi longtemps dans cabane ni gonjou quand même la pleuver camper n'a pas tendance qui te parler comme ça pas seulement secteur qui en face Père Mariel et Henri passé même en dans accord signaté même signaté accord en septembre il y a plein insatisfaction yo sorti yo dit pas appliquer accord là au loin yo malgré ça ou vienne joindre gagner camp chez parlement gain camp équipe oui gain camp Montana mais au senti problème qui posait la population en senti li déçu à chaque fois le fait des revendications et bien qu'on y allait arrivé au moment pour prendre pouvoir pour être capable de poser base pour sauver le pays et puis ouais c'est base militaire qui a réglé les vins créés une sorte de découragement et la dalle et en plus on veut joindre projet pour mobiliser population hein faut ta baser sur intérêt peuple faut ta baser sur avenir mais il y a plus que juger c'est comme si c'est des monde cap chercher espace pour mettre coyo au lieu de sauver pays ça dit pas pour tout on fait qu'on y a l'ensemble de fait ça yo yo vinn fait population hein on dit gens découragés mais faut moi dit tout le monde peuple haïtien c'est comme ça lié l'été commence à faire entrer sorti depuis dans maronnage mais les livres dans pour indépendant ça arrivé sur Duvalier tout le monde qui comprend yo capable prendre peuple ça pour yo faire servir toile pied et bien yon bonjour y a regardé au lieu son toile pied son profil qui en bas pied et la frappe yo fort donc ça veut dire jodi an ou non pays a ouais si a comment la parler rien pas marcher donc quelque connait la fort un effort qui fait pour nous comment en dehors de ça séparer nous et comment capable mettre ensemble pour nous développer énergie pour sauver pays après là et problème en vivre sur l'Ukraine avec la Russie et l'international oublié si on pays créer les Haïti donc il laisse nous pour prendre destin non mais destin qu'on y a c'est nous toutes qui prend donc on y a là il faut que les haïtiens prennent conscience pour suspendre faire mon cadeau pouvoir les monde joindre pouvoir c'est pas jouer pour jouer c'est problème pour résoudre population déçu. Li déçu, bon, malgré samedi, il y a un peu de monde qui vient nous parler d'accord avec elle. Li déçu, depuis non série de erreurs, la valance fait. Li déçu, depuis la question GNB. Li déçu, la question Préval. Li déçu, la question Matéli. Li déçu, la pile menti, Jovel Tebay qui pas jamais arrivé. Li déçu de Ariel Henry qui ont pour accord en là, quoi, li dit, pour améliorer la population, hein. Pour créer un gouvernement intègre, pour chercher un large consensus, pour au courant un massacre, pour monde qui était victime de massacre, pour rejoindre justice. Et mais jusqu'à présent, rien pas fait. Pendant l'ensemble de déceptions, ça, yo, même monde qui était avec, il y en a deux qui vivaient dans le pouvoir, ils ont oublié si ils étaient sous béton, ils ont déplacement de justice. Bon, pas besoin de faire une personnalité. Mais tout le monde connaît, dans le pouvoir, il y a deux ministres qui sont dans l'opposition. Mais qu'on y a là, même côté revendication, il y a des confrères, il y a des côtés passés. Il y a là. Mais à part de ça, on vient prendre en question ça. Mais qu'on y a là, même dans le projet, on a cherché pour nous sentir avancer. Il faut réunir plus de force. Parce que ça vient de passer. Le problème qui a passé là, c'est notre capteri. Ce n'est pas une capteri qui a quitté l'autre. Il y a une nation pour nous tous. Comment vous voulez le couvrir? Population après Walter. Population. A révolté en dépit de division gagne, en dépit de coulpes, en dépit de problèmes livrés, l'a révolté jusqu'à ce que les joignent ou équipement qui dénonce le pays. Ingénieur Mathias Pierre, nous connaissons en tant que ministre délégué qui a une grosse responsabilité dans la dernière phase pouvoir Jovenel Moïse. Qui te gagne un seul objectif, c'est baïter ton constitution pour te faire un référendum, malgré tout pays a te levé campé comme ça, mais je ne veux dire à nous, à des monde qui te comme ça, yo pour te coller à Ariel pour la faire un référendum qui pas dit non ni, li pas osé, elle la parole de l'Assemblée constituante, alors que le bon constitution, Jovenel Moïse, en babral, lui recevoir dans mes comités, Jovenel Moïse te mette campé sous pied pour te faire constitution formamite ça. Alors, c'est ingénieur Mathias Pierre, après tout, sous engagement qui te gagne, l'État haïtien, l'agent ministère finance débloqué, 60 millions de dollars, décaissé, 20 millions de concernés pour financer
élection ça que tout le monde a dénoncé ensemble avec pour ta faire référendum avec un conseil électoral qui démarre dans pied table et président directement ingénieur Pierre qui était ministre qui était en charge pour te mettre politique en application déclaré l'autre pas 40 millions de dollars qui était al joint NUD qui c'est agence Nations Unies et pour développement agence Nations Unies oui Haïti mettait 40 millions de dollars dans caisse li ça relé basket fund et pour être capable faire projet avancer il parlait de 5 millions bulletins qui étaient déjà dans pays pour organiser référendum non et il fait connaître il recevoir rapport sur diverses dépenses qui étaient engagées dans question référendum non pendant il dit en tant que ministre délégué c'est pas lui-même qui était cobla nan men il pas de autorité pour te gérer l'argent qui était là pour référendum à quand élection Jovenel Moïse t'a pas le faire n'attendez explication ancien ministre qui était en charge organiser élection à référendum et sous gouvernement Jovenel Moïse non et ingénieur Mathias Pierre t'es parlé dans micro nous te répondre question Hervé Noël on capable vous à ma connaissance sur ces différents rapports yo que j'ai joint moi et la différents travail qui t'a fait surtout par rapport à des questions de l'argent qui gagne et un total de 40 millions de dollars et que le ministère des finances a décaissé pour financer l'élection à référendum. Donc 20 millions pour référendum, 20 millions pour élection et qui était transmettre au PNUD et qui était transmettre au PNUD et le PNUD peut recevoir comme ça et il y a des rapports que le PNUD te baille et moi-même on aime que les rapports que me recevoir par exemple par rapport à la question référendum. Par exemple, il y a 5 millions de bulletins qui sont déjà en Haïti, ça veut dire les matériels sensibles pour le référendum. Mais tout matériel non sensible, un délégué, tout bagage, ça veut dire en Haïti. Et il y a un rapport qui débat sur le PNUD de l'homme qui quitté comme ministre de plus de 20 millions, sous comme qui dépensait pour faire le référendum déjà. Et je connais un paquet de commandes qui étaient faites jusqu'à liste électorale pour la question des élections. Donc, ça sont pour 40 millions qui étaient allés joindre le PNUD. Pour la question, d'appeler le PNUD, d'appeler les Nations Unies, qui était là au bail encadrement, pour les supports techniques et logistiques par rapport à la question élection. Certainement, il y a des corps qui étaient là pour le jour des élections, pour les questions logistiques. Donc, comme ça, des bails. Gagné, en total, de ma mémoire, 697 000, près d'un milliard de gouttes, et l'équivalent de 20 millions de dollars à peu près, qui étaient décaissés pour CEPA, qui étaient il y a un rapport avec local qui était nourri, mais tout le fait côté de la pays, côté de faire bureau de vote, centre de vote, etc. Et tout quoi que ça a été indiqué, c'est tout inventaire ça a été en fait. Donc, on est capable de dire, à ma connaissance, d'un rapport qui passait devant le PAM, moi-même, sur la question des élections qui était supposée organiser avec le référendum le 19 septembre avant que le président ait mouru, si le président ait mouru, et bien, tu as gagné un total de 60 millions de dollars américain que le ministère des Finances TDTC, même parce que le ministre des Finances toujours capable et pour la question de la transparence transmettre des rapports rendre public pour tout le monde ouéo, pour toute population ouéo et qui et montrer tout qui institution qui instance qui recevoir l'agence ayo et etc. Moi-même comme ministre délégué qui n'a pas de aucun rapport avec décaissement ou et gestion de l'agent l'État. Mais, moi, j'ai gagné une overview, côté que j'ai eu un rapport ça, de tout est passé devant moi, et je connais, dans mon temps que nous voyons, c'est les chiffres que j'ai gagné avec des détails sous question ça. Faut me rappeler tout que 40 millions de dollars qui décaissaient pour plus de l'an, c'était un d'un long contrat qui était signé par le ministre de planification à l'époque, c'est le ministre Joseph Zout, qui était premier ministre, qui était ministre de planification tout, dans le cadre d'un contrat de 72 millions de dollars, et qui te gagne pour te bail et système là pour l'organisation des élections et des référendums. Comme ça, c'est l'État haïtien seulement qui te déclenche pour qu'on gagne support de l'international qui est venu pour l'élection et référendum. Voilà, ingénieur Mathias Pierre, ancien ministre délégué qui était en charge référendum avec élection sous gouvernement Jovenel Moïse dans la dernière phase pouvoir Jovenel Moïse. Non, non micro Hervé Noël, il est venu sous actualité politique là. Ils font plaidoyer pour ces ententes qui joignent entre diverses forces qui gagnent dans le pays pour capable sortir pays dans crise côté lié.
li t'a réagi sou climat délétère qui là il a dans pays insécurité totale capitale, difficulté économie sous la graba et pour gagner une réponse qui joigne dans crise politique ça qui m'a rendé un véritable marécage. Li déclaré c'est une nécessité pour gagner chita parler pour joindre une entente en côté tout le monde la donne d'après ça dit pour pas gagner en ken boalon yo bay personne kembe. Li profiter dénoncer situation enquête qui a mené sous crime qui fait sous Jovenel Moïse non la Kaeli Jean que nous connaît 7 juillet 2021 il dit jusqu'à présent pourquoi gagner une autre juge qui prend dossier n'attendez ingénieur Mathias Pierre ancien ministre délégué dans dernière phase pouvoir Jovenel Moïse était en chargé pour organiser élection référendum. Nous connaissons grand pile levé campé dans pays à compte deux initiatives ça yo qui t'ai parlé comme ça dans micro Hervé Noël. Pour gagner les forces ça n'a capable brûler. Légal, je dis c'est l'armée d'Haïti, je dis c'est la police nationale avec toutes ses blessures et tout problème que yo gagne qui face au même à aux forces illégales et qui eux-mêmes, c'est les gangs armés qui, dans la tradition pays d'Haïti, et ont toujours gagné affrontement ça, entre forces illégales et forces légales, côté que le toujours abroumé et victime, c'est toujours population. Donc je veux dire, c'est comment pour que nous arrivions à un État qui est suffisamment solide, un État qui est suffisamment légitime, qui reprennent monopole violence là, qui pour permettre de contrôler la violence, retourner à stabilité, la paix, etc. Malheureusement, seul moyen pour nous faire ça, c'est ça, en anglais couramment, et political settlement. Un accord politique et économique, côté élite, je n'ai pas parlé de élite économique, élite politique, yo chita ensemble, yo d'accord pour yo dire, on nous fait back sous système qui est en place là, système qui pas marché là, système côté c'est un monde qui connaît l'autre, etc. Et qui est-ce qu'on connaît, qui est-ce qu'on est, qui détermine les gens société arrachée, pour nous dire un système qui est constructif, un système qui est basé sur la concurrence politique et la concurrence économique, un système qui est basé sur dépersonnalisation, à savoir que c'est les institutions, l'état de droit, la concurrence, les élections, et l'ouverture économique et politique, l'ouverture sociale qui vous permet de société à avancer de là. Donc, nous disons que notre situation est extrêmement compliquée et nous avons s'amélioré tout le temps. Le ministre, si nous pas fait l'élection, nous avons tombé dans le chaos. Nous en plein chaos. Maintenant, nous avons plongé dans le chaos. Maintenant, la communauté internationale nous regarde et nous dit il faut nous asseoir ensemble. Faut que nous chitaillons l'autre, faut que nous parlions pour nous sortir avec un bagage qui est inclusif, un accord qui est tout le monde là-dedans, un accord qui fait sans exclusion, sans groupe, et puis qui peut permettre de démarrer le pays pour trouver une stabilité et le développement économique. Je vous dis un bagage là extrêmement compliqué dans le même. Pas parce que c'est un groupe ou un autre. Le sujet métier n'est pas résolu. Mais ces chita sont tapés. Et nous pensons que dynamique, ça, nous avons combien de temps la chita sous lui. Et nous savons quoi que Jovenel Moïse, pays a d'après le marché, tout bagage a parlé. 7 février, il va le faire, et 7 mars, là, il va le faire près de 8 mois, depuis que le président Jovenel l'a assassiné. Et je vous dis, vous vivez non-stable. Et c'est là, oui, gravité pays. Nous vivons non-stable. Pas même gagné depuis quelques jours, on juge qui a travaillé sous un cap d'assassinat président de la République. Donc, et nous, on pense que, en tant que pays, respecter toutes les règles de sa révélée, un état défaillant, un état failli, et je vous dis, hein, à qui niveau, à qui point que chaos a supposé arriver, des ordres a supposé arriver, pour que nous prenions conscience, en tant qu'élite politique et économique, que je vous dis, hein, et un effort qu'il faut nous faire, qui peut permettre pays à redémarrer. Parce que nous avons un conflit extrêmement compliqué, je dis. Ingénieur Mathias Pierre, ancien ministre délégué, qui était en charge pour organiser l'élection référendum dans la dernière phase pour voir Jovenel Moïse.